Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, nous allons faire donc ce nouvel épisode de la série Apprenez à voir. Donc, ce sera l'épisode numéro 8. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait très récent, de la sortie de deux films. Donc, un film qui est clairement un film orienté dans le monde, c'est-à-dire un film entre guillemets démoniaque, dans le sens où le résultat de ce film sur l'influence qu'il peut avoir, notamment sur les gens, sur le monde, est un reflet de la société actuelle. Et il y a beaucoup de messages subliminaux, beaucoup de messages négatifs, spirituellement parlant, mais aussi pour l'homme en général, dans le monde physique dans lequel nous sommes. Il s'agit donc du film Barbie. Nous allons en parler justement de ce côté spirituel qu'on peut retrouver dans ce film. Et nous allons parler également d'un autre film qui, lui, a une influence spirituelle vraiment bonne. Il y a vraiment de bonnes valeurs dans ce film. C'est un film qui dénonce de façon très claire les sectes pédocriminelles que l'on peut trouver un petit peu partout sur la planète et le kidnapping des enfants qui sont vendus à des fins d'esclavage ou d'autres choses abominables, horribles, démoniaques. Il s'agit donc du film Sound of Freedom, Le son de la liberté, donc, est un film qui a été réalisé par un acteur qui a joué donc le rôle de Jésus dans le film La Passion du Christ en collaboration avec Mel Gibson. Il s'agit donc de Jim Caviezel. Donc c'est un chrétien, quelqu'un vraiment qui est engagé pour le Seigneur et qui a tendance à dénoncer les choses qui sont vraiment démoniaques dans ce monde. Et il faut savoir que ce film est basé également sur une incroyable histoire vraie. Donc c'est un film qui a été tout de suite, alors il faut le savoir, tout de suite, hein, on va dire, dénoncé par les médias comme étant quelque chose de pas bon. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Bien sûr, on a les grandes élites, hein, de ce monde qui ont vu ça d'un très mauvais œil parce qu'on vient un petit peu, on va dire, mettre un coup de pied dans la fourmilière avec un genre de film comme ça, un petit peu comme Hold Up, hein, d'ailleurs, l'a fait à son époque. Et donc, il faut savoir que tout de suite, ils utilisent les médias pour discréditer, pour raconter toujours les mêmes baratins, hein. Enfin, on va voir justement ça en détail. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit quoi? Que tout est spirituel, que nous n'avons pas à lutter contre des hommes, contre de la chair, contre du sang, donc c'est-à-dire même contre des élites ou des politiciens, ou voilà. Nous avons à lutter contre des dominations spirituelles, donc contre des démons puissants, contre le diable, qui sont eux les instruments, enfin, sont eux plutôt les maîtres, les marionnettistes qui vont utiliser leurs instruments, comme les élites, comme les politiques, pour mettre en place des choses, des plans, des stratégies, voilà, comme le nouvel ordre mondial, les gouvernements futurs qui doivent émerger, l'antichrist, le faux prophète, toutes ces choses-là, ça doit émerger suite à ces dominations spirituelles. Et on sait que les élites sont aussi main dans la main avec ces sectes luciférielles. On entend parler beaucoup de sectes sataniques, de franc-maçonnerie, où il y a des rituels, des gens qui balancent, qu'il y a des rituels sataniques et démoniaques. Il y a des sacrifices d'enfants, il y a des gens qui ont balancé des sacrifices d'enfants également, comme cet ancien franc-maçon de haut rang. Mais on a aussi d'autres gens qui sont sortis de ces choses-là et qui ont justement été complètement choqués en voyant qu'on pouvait faire de telles choses, de telles choses horribles, hein. Donc, on sait aussi que voilà, donc le diable utilise ces gens de manière directe ou indirecte pour mettre en place ses plans, hein, et pour faire des choses horribles en contrepartie. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser dans le milieu spirituel de la chose, hein, comme on sait que Dieu utilise des hommes pour annoncer l'évangile, pour annoncer la repentance, pour annoncer qu'il y a un espoir, il y a une vie après la mort et que nous devons mettre notre vie en règle pour ne pas obéir au diable mais suivre les plans de Dieu. On sait aussi que le diable, lui, va travailler fort de son côté avec les grandes industries cinématographiques d'Hollywood, hein, où il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, comme Mel Gibson, comme beaucoup d'autres personnes, comme Jim Carrey par exemple, qui ont dénoncé les sectes pédocriminelles d'Hollywood, qui ont dénoncé le satanisme, qui ont dénoncé justement la manipulation du grand public par des films complètement qui font disjoncter les gens. C'est une manipulation mentale parce que les gens sont, on va dire, entre guillemets, influencés et endoctrinés dans certaines émissions, certaines séries, certains films, hein. Donc aujourd'hui, on va parler du côté spirituel qu'on peut retrouver notamment dans ces deux films
qui sont vraiment deux opposés où il y a clairement des messages spirituels dedans. Et vous allez voir que les messages sont vraiment très très clairs lorsque l'on se penche un peu et lorsqu'on connaît la parole de Dieu, la Bible. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une société où on est vraiment comme du temps de Sodome et Gomorre, comme du temps de Noé, hein, où il y a une insouciance, où le mal est grandissant, où vraiment le péché abonde et surabonde, j'ai envie de dire même, et où les valeurs sont inversées. Hein, aujourd'hui, c'est normal de dénoncer des choses qui sont, par exemple, des perversions ou qui sont des péchés dans la Bible, comme étant quelque chose de normal et de logique, quelque chose de bien. Mais par contre, tout ce qui est, on va dire, par exemple, annoncer l'Évangile, parler du Seigneur Jésus-Christ, annoncer la vie éternelle, toutes ces choses-là sont devenues, les gens, cataloguent vite ce genre de personnes comme étant des sectes. Voilà, vous voyez, on a vraiment une inversion complète des valeurs. Et c'est quand même assez catastrophique, mais c'est ce que Jésus avait annoncé, hein, qu'on serait vraiment dans ce genre d'étape, hein. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir du film Barbie, qui est pourtant un film qui a été fortement promu par les grands médias, c'est qu'il y a vraiment plusieurs choses qu'il faut retenir et qu'on peut constater lorsqu'on regarde un film comme ça. C'est que déjà, les hommes sont inutiles. Hein. Les hommes sont inutiles, on met vraiment en avant la femme et l'homme est vraiment considéré limite comme un objet. On le voit très bien dans ce film. Ensuite, la famille traditionnelle n'est pas pertinente, n'est pas importante. Hein, donc, c'est ce qu'on peut aussi constater dans ce film. Ce qui fait d'une femme une femme, le troisième point, c'est que justement, c'est sa beauté physique. Donc, tout est misé sur la beauté physique. Voilà, les traits d'une vraie femme aujourd'hui. Qu'on peut retrouver comme caractéristique dans ce film. On a le sixième point qui parle donc de l'avenir et l'avenir donc de la société qui est féministe. Les femmes sont les têtes, les hommes se soumettent, hein, voilà. Et le slogan, on va dire clé du film, j'aurais envie de dire que c'est elle est tout. Et le mec est juste Ken, hein, donc ce qui est un euphémisme, tout simplement pour dire que il est juste bon pour le sexe. Donc on voit vraiment le côté mauvais, hein, de ce film, le côté qui apporte toutes ces choses-là comme étant quelque chose vraiment de voilà, c'est vraiment démoniaque. Hein, on voit vraiment l'inversion, comme je vous dis, des valeurs bibliques. Hein. Maintenant, ce qu'il faut retenir du film Sound of Freedom, donc que les médias ont tout de suite diabolisé, ils ont dit voilà que l'acteur était d'extrême droite, qu'il avait voilà, on essaie tout de suite de mettre les gens dans la classe extrême droite. Ça, c'est vraiment l'arme facile des médias. Dès qu'on a des gens qui peuvent être on va dire un potentiel danger pour les élites en place, par exemple, on dit tout de suite, oh, il est d'extrême droite, c'est un raciste, comme ça discrédite tout de suite complètement la personne. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film? Alors déjà, dans ce film, le premier point, c'est qu'on retrouve que vraiment la position centrale, principale et primordiale des parents, qui sont essentiels. Hein. Et ça, c'est vraiment une valeur biblique et c'est ce qu'on peut retrouver vraiment dans ce film. On l'a comme deuxième point, donc les familles traditionnelles qui sont également fondamentales. Les vrais hommes, troisième point, qui défendent l'innocence des enfants. Donc ce sont eux les vrais hommes. Hein. Un père de famille doit défendre l'innocence de l'enfant et doit le protéger de toutes les dérives, de toutes les choses mauvaises qu'on peut retrouver dans cette société. On a donc comme quatrième point, l'avenir dépend des hommes moraux de foi qui ont assez de courage, je dirais, pour protéger leur propre maison et les enfants qui grandissent sans eux. Et le slogan clé de ce film, j'ai envie de dire, ce serait donc les enfants ne sont pas à vendre. Donc on retrouve vraiment des valeurs morales, bibliques, familiaux et vraiment basiques qui sont des valeurs normales, j'ai envie de dire. Et que cette société tente à effacer, essaye d'effacer. Donc voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'on voit dans cette société, hein, comme certains trouvent ça normal. Moi, personnellement, ce n'est pas mon point de vue. Je ne suis pas d'accord avec toutes les choses, toutes les dérives qu'on peut trouver dans cette société. Donc maintenant, voilà, on va dire les messages, entre guillemets, spirituels qu'on peut retrouver dans ces deux films, et on voit bien vraiment qu'ils sont diamétralement opposés, et on voit bien aussi que d'un côté on a le diable qui agit avec voilà le succès, le monde, hein, comme la Bible nous dit, n'aimez point le monde, et de l'autre côté on a le Seigneur qui se permet d'utiliser des hommes pour annoncer l'évangile, pour montrer des vraies valeurs, pour
pour montrer que en fait il y a encore des gens qui ne tombent pas dans les dérives et tous les extrêmes qu'on peut retrouver dans la société moderne dans laquelle nous vivons. Donc voilà moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que on voit bien, comme je vous le disais, que le combat n'est pas charnel mais spirituel. Hein. Il y a des messages, on a des chanteurs qui ont témoigné également qu'il y avait des messages subliminaux et ces messages visent à tout simplement venir marquer votre conscience d'un message et de faire passer, de véhiculer un message de manière indirecte afin d'enregistrer dans votre mémoire quelque chose qui n'est pas forcément bon mais qui va venir à force d'être vu et revu, répété comme quelque chose de normal. Et c'est comme ça que les gens, la société accepte tout simplement des choses qui sont contre nature, des choses qui sont anormales, des choses qui sont extrêmes. Voilà, par un martèlement et par des messages subliminaux. Hein, donc certaines stars le disent de façon très ouverte, rien de nouveau là-dedans. Donc en tout cas, moi je voulais vous faire cet épisode pour vous parler un petit peu de ça, ces deux extrêmes qui sont vraiment des exemples flagrants et concrets des deux dérives qu'on peut trouver dans la société, les choses qui viennent du Seigneur et les choses qui viennent du diable. Voilà, soyez bénis chers frères et sœurs, et merci de votre soutien, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo, me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à la liker. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode. Soyez bénis.